Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisqu'il s'agit d'un déballage de colis. Comme vous voyez, je viens de recevoir un petit colis. Donc, si vous avez suivi l'actualité de la chaîne, vous vous doutez bien de ce qu'il y a dedans. Donc, allez, c'est parti. On attaque avec l'unboxing. Voilà, vous voyez qu'il y a notre petit ami Sazabi qui est là, qui nous observe. Et c'est parti pour ce petit déballage. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, hop, toujours. Déjà. Toujours le colis bien empaqueté avec soin, comme d'habitude. Voilà, ça n'a pas changé. Ça, pour ça, HLJ sont irréprochables. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Alors, donc comme je vous l'avais spécifié sur Facebook, donc on a l'Action Base Char Aznable. Donc, vous voyez pour Master Grade. Donc, c'est une Action Base qui est de couleur rouge avec des marquages spécifiques. Donc, comme vous pouvez voir, il y a Char Aznable qui est marqué dessus. Donc, à la base, c'est pour le Zaku 2, mais ça fera l'affaire pour le Sazabi version KA, puisque comme c'est un kit qui est assez imposant, je préférais avoir quand même une Action Base pour faire des poses dynamiques. Donc, là, on vous montre les différentes poses que vous pouvez faire avec l'Action Base, et apparemment ce sont des décals à halo qui sont utilisables. Alors apparemment c'est utilisable pour les HG aussi, je viens de voir ça à l'instant, en même temps que vous, hein, je découvre, hein, c'est ma première Action Base. Donc c'est utilisable pour les Squale Model, donc 144, les HG, donc High Grade, bon mais apparemment c'est Universal Century et Gundam Seed, les 1/100e Scale Model et les Master Grade. Donc voilà, donc on vous montre les différents petits embouts pour pouvoir faire tenir le Gundam. Et bien entendu, donc vous avez deux possibilités, où vous mettez juste la base et le mecha dessus, ou vous utilisez le système qui est là pour les poses dynamiques. Donc effectivement, non, ce sont des stickers, j'ai l'impression, oui, ce sont des stickers. Là, voilà, la petite planche que vous voyez là, ce sont des stickers, ce ne sont pas des décals, donc c'est un peu dommage, j'aurais préféré des décals à l'eau, mais bon, c'est pas grave. Donc vous doutez bien, pardon, que les stickers Zaku ne seront pas collés. Et donc vous voyez derrière que l'Action Base est sur des grappes rouges, donc il faudra l'assembler. Voilà, je pense que je vais même la peindre, ça sera mieux. Donc ensuite, on a les décals à l'eau pour Lexia Master Grade. Donc comme je vous avais expliqué, j'ai un petit projet de prévu avec un ami à moi qui doit venir chez moi pour que je lui fasse son kit Exia. Donc dès qu'il aura reçu son kit, le petit défi sera de réaliser le kit monté, peint, vernis et les décals, enfin tout le truc, voilà quoi, en 2 jours, donc sur un week-end. Voilà, donc voilà pourquoi il y a les décals. Et ensuite, donc ça, comme vous l'avez vu sur Facebook, probablement pour ceux qui me suivent sur la page, donc c'est un bouquin qui retrace donc le Gunpla des années 80 jusqu'aux années 2000, enfin, à l'année 2013. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est marqué ici, donc 1980 à 2013. Donc voilà, donc c'est un petit bouquin tout en japonais sur le Gunpla. Voilà, je peux pas trop vous dire ce qu'il va y avoir dedans parce que je sais pas trop lire le japonais, donc. Ça sera surtout histoire de regarder des images, comme les petits à la maternelle. Donc voilà, vous voyez un peu, je vous montre un peu à quoi ça ressemble dedans, hein. Je découvre en même temps que vous, donc on vous montre quelques kits. Donc je pense que c'est assez intéressant, donc je vais le bouquiner et je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous en parler. Je sais pas, on verra. Donc en tout cas, ça a l'air super intéressant, il y a quand même pas mal d'images bien sympathiques. Donc écoutez, je vais regarder ça, et si je juge nécessaire de vous faire une vidéo dessus, je vous ferai une petite vidéo concernant cet ouvrage. Il y a bien entendu de la pub pour le Sazabi, puisqu'il vient juste de sortir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai rien de spécial de plus à vous dire. Je pense que je vais faire une petite vidéo, on va dire unboxing entre guillemets, parce que bon, c'est pas vraiment une boîte, c'est un sachet, mais pour l'Action Base. Et puis le résultat monté, tout ça, enfin bon, bref, tout comme un kit classique, mais pour l'Action Base. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit j'aime. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pensez à la partager et à vous abonner si c'est pas le cas. Allez, salut les amis, bye bye.